Salut à tous, c'est Elodie et Thibaut du blog Le Gourmand Voyageur. Vous l'aurez compris, comme son nom l'indique et nos jeux aussi. Surtout les tiennes. Merci. Lors de nos différents voyages et aventures, nous adorons découvrir la gastronomie locale et savourer, dévorer les spécialités. Aujourd'hui, on vous présente un accord mets et vins avec une délicieuse recette de tacos au bœuf barbacoa légèrement épicée que l'on a découvert durant notre trip au Mexique. Durant ce voyage sur la péninsule du Yucatan, on a eu une toute nouvelle vision de la cuisine mexicaine. Fini les tacos avec les frites et le fromage, et surtout fini les kits de fajitas sans saveur. Maintenant, nos soirées mexicaines sont beaucoup plus savoureuses et beaucoup plus fines. Et oui, fini le tacos et le soda. Pour vous convaincre qu'on peut faire un bon repas avec un tacos, on s'est un peu creusé la cervelle pour trouver le vin idéal, l'accord parfait. Un tacos bien goûteux, accompagné d'un bon verre de vin. Un vin de la vallée du Rhône. Plus précisément, un Lirac La Ferme Romaine de 2013 du domaine Lafon. On vous voit déjà venir. C'est pas parce qu'on est originaire de la vallée du Rhône et un brin chauvin qu'on a choisi ce vin. Bon, ok, ça nous a peut-être influencé un petit peu, mais c'est surtout parce que ce vin a les caractéristiques parfaites pour s'accorder avec nos tacos au bœuf barbacoa. Le Lirac La Ferme Romaine, c'est un vin gourmand et rond avec des notes fruitées plutôt agréables et qui se marie bien avec le bœuf barbacoa présent dans ce tacos.